Hey, matelot, ici Defroy, et aujourd'hui on se retrouve pour une visite, oui, de la maison de Colfetters. Alors, quand je dis maison, je dirais plutôt grosse villa de barbares galactiques. Ça veut rien dire, on s'en fout. Beachside Mansion and Resort by Colfetters. Donc, c'est le nom du gars qui a fait la maison, Colfetters. J'imagine que je prononce pas ça forcément bien son prénom, mais bon. Vous avez les liens dans la description pour télécharger, pour aller voir sa maison, vous-même si jamais vous avez envie. Et donc, il nous a fait ici. Donc, voilà, ça c'est ses recommandations pour le pack de textures et le shaders à utiliser. Moi, je vais mettre mon shaders habituel parce que j'aime bien. Et donc, ici, il nous a mis sur des panneaux, du coup, à l'entrée de sa magnifique demeure. Tout ce qu'il y a dedans et tout ce que l'on peut voir, donc si jamais on loupe quelque chose, moi je retiendrai jamais tous ces trucs-là. Donc voilà, je vous laisse mettre en pause la vidéo si jamais vous avez envie de regarder tout ce qu'il y a dedans. En tout cas, moi, je vais juste aller visiter tout ça comme ça. Voilà, c'est trop grand. Hein. Je vous ai. Enfin, j'ai regardé un petit peu la map avant. C'est trop grand. Pour faire une vidéo, il faudrait 40 minutes pour faire une vidéo complète dessus. Donc je risque de louper des choses. Alors ici, qu'est-ce que c'est? C'est un poste de surveillance, si j'arrive à bien prononcer, avec un payage et tout pour pouvoir entrer dans la maison, avec un... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah oui, non, ça c'est la cafette. C'est la cafette pour les douaniers. Les douaniers de la maison, tu sais. Avec les toilettes et tout, avec le lavabo qui a un trou dans le machin. Ce que j'ai remarqué aussi avec cette maison, vous allez voir avant que. Parce que je l'ai visité un petit peu avant de faire la vidéo. Elle est ouf de détails. C'est ça qui est impressionnant dans cette maison. Enfin, rien que vous voyez déjà ici maintenant, c'est juste un poste de surveillance finalement. Et vous voyez tous les détails que vous avez. Les ordinateurs avec les claviers, avec les horloges ici sur le côté, avec les écrans de contrôle et tout le bazar, avec les toilettes et tout, qui est vraiment fait quoi. C'est assez. Assez fou de détails, notamment vous voyez au niveau du poste de contrôle ici, vous avez tous les espèces de machins qui sortent du sol et tout pour arrêter les voitures. Enfin, et ça, c'est que l'entrée de la maison parce que tout le reste, tu vas voir ce que tu vas voir. On peut voir déjà de loin ce que ça donne. C'est pété. Le mec a fait. Ouh, il y a un lapin. Est-ce qu'on peut pêcher les lapins? Oui, on peut pêcher les lapins. Waouh! On dirait que ça lui fait un chapeau, tu sais, comme s'il avait une Pokéball sur le dos. Waouh! Ah, je savais pas. Bon. Je sais pas à quoi ça sert, mais très bien. Alors, ici, vous avez l'espèce de fameux manoir extraordinaire Beachside Mansion, qui s'appelle, enfin, qui traduit, se trouve être le côté de, le manoir du côté de la plage. Regardez-moi ce monstre, parce que là, rien que tu vois ici... c'est une espèce d'énorme terrasse avec une pergola complètement pétée. Ici, t'as ta propre plage privée avec des yachts. Voilà, avec des balises de sécurité. Tout ça. Tu vois. Je te fais peut-être le tour hein, avant de rentrer vraiment dans la maison. Parce que tu vas comprendre à quel point le mec il est parti dans son délire. C'est juste magnifique. Ici, donc, tu vois la grosse maison principale. Hein. Qui au niveau des tailles, tu comprendras. Bah voilà, c'est un mégalomane comme on les aime, hein, avec une petite maison ici aussi. Ici, c'est une autre extension de la maison, tu vois. Voilà, une espèce de petite dépendance parmi d'autres. Avec un bar de deux piscines, directos, tu vois. La piscine qui fait directement les sièges dans la flotte. Enfin, les sièges du bar dans la flotte. Voilà, oui. Ici évidemment des terrains de tennis, que tu remarqueras, les terrains de tennis ils ont été mis juste à côté des espèces de grandes vitres ici comme ça, il y a un terrain de basket derrière, ça c'est, je suis sûr et certain c'est le meilleur endroit pour les mettre, tu sais, un terrain de tennis, donc quand tu frappes une balle comme un gros bourrin et que tu loupes plus ou moins bien ton service et que ta balle elle part dans les vitres d'à côté, t'as plus de vitres au bout d'un moment quoi. Normalement au bout de 2 semaines si tu utilises les terrains régulièrement, t'as plus aucune vitre à ce niveau là. Ou alors c'est des vitres blindées de je sais pas quoi, mais ça serait tellement luxe.
Ah, des vitres blindées anti-balles de tennis, ça serait tellement luxe. Avec, comme tu peux le voir, encore une fois, des portes avec lesquelles il a mis une espèce de verrou, tu vois. Des espèces de plaques de pression avec des... plein de choses, d'accord, ils ont renommé, ils ont bidouillé les textures des chorus pour que ça donne des arbres plus réalistes. Ça, c'est pété, ça. J'avoue, c'est pété. Huh. Ah bah dis donc. Voilà, donc là, ici, qu'est-ce que c'est? C'est un mini-golf, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, c'est un mini-golf. Enfin, c'est même pas un mini-golf, c'est un golf à part entière. Par-dessus un canal. Enfin, tu dois tirer par-dessus un canal, évidemment. Là, t'as ton premier trou et les autres trous par là-bas. Parce que... 46 hectares de terrain dans ton jardin, qu'est-ce que tu vas foutre? Bah, des piscines, un mini-golf, des terrains de tennis et tout ça. Pff, voilà, voilà. Tout va bien. Hop. Pouf, tu vois les petits drapeaux faits en machin comme ça. Et attends, qu'est-ce qu'il a mis ici? Hall 3. D'accord, donc il a mis des trous. Ouais. Avec les petites cartes, tu sais, les petites cartes de... Comment on appelle ça? De pour te déplacer sur les terrains de golf là, les espèces de voiturettes. Et donc, alors attends, il a rajouté aussi un espèce de canal pour pouvoir passer de l'autre côté de sa presqu'île privée et avec des bateaux du coup ici comme ça. Très bien. Et son bateau, comment il l'a foutu? D'accord, donc avec un tableau de bord et tout quand même. Un minimum. Ici c'est le moteur qui ressort, un peu comme un turbo sur les voitures. Enfin, ce que je comprends en tout cas. Hop. Et il a mis même à l'intérieur du bateau. Eh bien. Non mais c'est bien foutu, hein, honnêtement. Regarde-moi ça. Il a mis une chambre et tout. Waouh, le joli placard. Ah non, c'est les toilettes, d'accord, très bien. Oh. Eh ben, hop. Alors, bah, du coup, on a fait un peu le tour de l'extérieur. On va voir un peu à l'intérieur maintenant. Vous voyez, il a fait une autre maison complète. Hein, vous voyez, c'est une maison normale, là, pour le coup, de taille normale. Qu'il a fait dans une rue à l'intérieur de son jardin. Parce que, voilà. Ça va nous donner peut-être un avant-goût de la grosse maison principale. Voilà, avec les petits haut-parleurs avec des têtes de joueurs customisées, tu vois, têtes de creeper qui auraient été retexturées avec des haut-parleurs. Ça, c'est pas mal du tout comme idée. Ça, c'est quoi? Tête de zombie. Ça nous donne une tête qui n'a aucune texture particulière. Ok, un Enrod avec une pierre lumineuse. Ok, ça doit faire de la lumière pour le coup. C'est vrai que le pack de textures rend le truc particulièrement bien, tu vois, toutes les spatules et tout. Oh. Ah, regardez aussi, il a fait un mur de 2 blocs de large dans lequel il a pu mettre une fenêtre sur un bloc. Et sur le deuxième bloc, à l'intérieur de la maison, il a mis des escaliers, histoire de donner un peu de profondeur à sa fenêtre. Ça, c'est pas mal non plus, du coup. Ça, c'est quand t'as vraiment des grandes maisons assez larges, tu peux doubler l'épaisseur des murs et tu peux mettre des reliefs dans les murs, du coup. C'est vrai que ça, c'est vraiment pratique. Comme astuce. Alors attends, je vais quand même bien visiter cette maison là qui donne sur l'extérieur, très bien. Donc c'était pas hop ce que je voulais faire. Voilà l'effet avec les vitres comme si elles étaient ouvertes sur l'extérieur. Là avec le quartz rayé, ça donne un peu l'impression que le comme si c'était un drapeau, pas un drapeau mais un, comment on appelle ça, je vois ce que ça donne dans ma tête, mais je ne saurais pas trouver le mot là tout de suite. Un parasol, voilà. Voilà, un parasol qui est rentré, replié sur lui-même, tu sais. Et t'as pas une vue trop merdique, hein, encore. Ça va, hein. Vue sur l'océan, sur les palmiers, j'espère que tu apprécies. La vue, elle est pas trop mal. Hop. Voilà. Petit meublage de chambre classique, hein. Un meuble avec juste des blocs complets. Des boutons posés dessus, et hop, ça te fait un meuble ni vu ni connu, ni vu ni connu. Pareil ici, un meuble donc bloc et boutons avec
des bibliothèques. Ça, c'est vrai que c'est pas mal, ça, tiens. C'est du bois d'acajou et les bibliothèques sont associées au bois d'acajou. Ça, c'est vraiment pas mal du tout. Ce qu'il faudrait, c'est du coup, y mettre plusieurs sortes de bibliothèques. Ça pourrait être intéressant sur Minecraft. D'ailleurs, j'ai vu au niveau des pré-releases de la 1.3 que ça commence à avoir des trucs super intéressants. On va y avoir comment on appelle ça, des épaves sous l'eau et tout. My. Avec des vitres comme ça, tu vois, avec un encadrage de blocs au-dessus, ça nous fait un meuble comme ça aussi. C'est vrai que c'est pas mal non plus. C'est vrai qu'aussi, tiens, je viens de remarquer, mais il a mis deux tontes de couleurs, hein, tu vois. Il a mis des pierres taillées sur les deux premiers blocs de la pièce. Et sur les autres blocs, en hauteur, il l'a mis que de la laine, en fait, de laine bleue. Ça donne un design de pièce qui est assez sympa aussi, tiens. Faudrait que je teste ça. Voilà. Bah voilà, c'est la petite maison sympatoche. Ah, remarquez aussi, tous les tapis comme ça, ils sont de la même couleur partout. Et ils sont alignés plus ou moins les uns avec les autres. Tu vois, ce tapis-là, il est aligné avec celui-là. Celui-là, ici, il est aligné dans ce sens-là avec l'autre. Bon, l'autre, là-bas, il n'est pas aligné, mais... Ouais, non, en fait, ça marche pas. Bon, bref. Du coup, j'enchaîne vite, histoire de... Oh, il y a des... Pourquoi il a mis une... Attends. Comment on peut faire pour aller dans le garage? Paf. J'avais loupé le garage, tiens, dis donc. Il a mis une Formule 1 dans le garage. Ah, comme quoi mon théorème de la maison moderne sur Minecraft, il est vérifié. Toute maison moderne luxueuse sur Minecraft possède toujours sa voiture de course, sa voiture sportive en tout cas, avec des échafaudages au plafond. Carrément. Ouais. C'est plutôt cool. Alors attends, du coup, là il fait nuit. On va aller quand même dans la grande maison. La visiter un petit peu parce que je suis pas encore allé dedans. Alors attends, je vais entrer. Hop. Voilà. On est à l'entrée du mastodonte. On va aller voir ce que ça donne. Voilà, donc dès l'entrée, t'es sur un double escalier comme ça qui te fait tout le tour de la pièce principale. Voilà. Une deuxième entrée même à l'intérieur de la maison qui est sur un mur tout vitré. Voilà. Avec un sous-sol, avec... Ce que j'aime bien remarquer, c'est qu'il y a plein de poutres en bois partout, de chêne noir comme ça, qui font des poutres comme ça, qui font le bas des murs. Donc le bas des murs ici, qui font l'entourage des escaliers à ce niveau-là, plus des poutres à l'intérieur des murs ici, tu vois, et t'as toute une charpente, tout un coffrage de l'espace avec des blocs de bois de chêne noir, comme ça, vous voyez. Et, oh, j'ai entendu un miaou. Enfin bref, et du coup, vous voyez que la maison a été construite comme ça à l'intérieur, pas à l'extérieur, hein. Vous remarquez que à l'extérieur de la maison, il n'y a pas de blocs de bois comme ça. Qui se voit en tout cas. Vous voyez, l'extérieur, il est, c'est juste un grand mur de sandstone avec des fenêtres taillées dedans, enfin marquées dedans. Mais il n'y a pas le bois apparent. Alors que le bois, il est complètement présent à l'intérieur et il structure complètement l'espace. Bon alors attends, il y a un truc qui m'intrigue là. J'ai envie de voir sous l'escalier. C'est un pandoir magnifique. C'est pas comment on appelle ça, une buanderie, un truc où tu mets tes vêtements. Voilà, alors petit salon, j'allais dire de plein air, mais en fait pas du tout, quoique avec toutes les lumières au plafond, on pourrait se croire dans un ciel étoilé. Ouais, en fait non, pas du tout, parce qu'il faudrait que le truc soit noir, mais enfin bon, bref. La petite horloge au dessus de la cheminée, ça c'est très bien. Voilà, avec le gros canapé qui fait toute la longueur de la pièce, tu vois. Ça, c'est sympa aussi. Mais il manque un truc. Est-ce que tu te rappelles de quoi qu'il manque? Tu remarqueras mon français particulièrement élaboré. Hein. De quoi qu'il manque? Voilà, comprenne qui pourra. Comprenne qui pourra. Voilà, dans les commentaires d'ailleurs, mettez ce que cela représente pour nous. Voilà, les vrais de la chaîne. Voilà. Avec les tableaux sur le plafond, évidemment, sur les murs, c'est pareil.
Ok. Eh, ça c'est sympa ça aussi, vous voyez, ils ont retexturé la terre cuite violette pour faire un peu des murs un peu à la japonaise, tu vois, dans le sens où t'as des espèces de barreaux de bois qui sont texturés avec le machin, comment on appelle ça, la terre cuite, ce qui donne et qui a la même texture que les bois de chêne noir d'ailleurs, quand vous remarquerez, enfin qui est très très proche au niveau de la couleur, ce qui donne un ton très 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 cohérent avec la pièce finalement. Ça c'est sympa ça aussi. Ça c'est complètement sympa. Vous remarquerez aussi du coup qu'il a mis des dalles de bois en acajou, des bibliothèques qu'il a remis en même avec les mêmes textures que le bois d'acajou, plus de la porte en bois d'acajou. Ah non, pas du tout. Ah. Mais par contre, ça a la même couleur, c'est ça qui est bizarre. À moins qu'il ait retexturé la porte de chêne noir. Ça ferait pas de sens. Enfin bon. Ah, il a un coffre-fort. Oh, bloc de redstone, c'est un coffre-fort, très bien. Oh. On va sur l'extérieur. Et très très belle charpente, enfin une très belle structure en tout cas, avec les colonnes et tout comme ça. C'est vrai que moi j'aime bien ce genre de truc. Donc ici on arrive par une autre porte, par une autre chambre, pardon. Avec son bloc de paille à côté de ton meuble, habituellement, c'est vrai que tout le monde chez soi a son bloc de paille dans sa chambre. Je suis d'accord. Moi aussi, hein, j'ai mon bloc de paille, évidemment. Hein, qui n'a pas son bloc de paille chez soi? La base. Alors, où que je suis, vous remarquerez mon français particulièrement élaboré, encore une fois. C'est ça qui est bien aussi dans cette maison, c'est que vous voyez, chaque pièce a vraiment son identité. Là, on est plutôt sur une teinte de bois de chêne très classique, au niveau du lit, des meubles, du bureau, des autres meubles, et une teinte au niveau du sol qui est complètement d'un seul tenant aussi. Et qui change par rapport aux autres pièces. Il y a toujours l'espèce de ligne en bois comme ça au niveau du plafond qui revient dans chaque chambre. Il y a aussi des espèces de lumières qui reviennent tout le temps. Mais il y a quand même de la particularité dans les chambres, vous voyez. Ouais, donc dont le bois et tout, et le bloc de paille. Et donc, encore un joli placard avec un coffre-fort. On ne s'en lasse pas, évidemment. Bon, alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter à l'étage, voilà, parce que je ne visiterai pas toute la maison, hein, je vous le dis tout de suite, franchement, de but en blanc, il y a beaucoup trop à visiter, ce serait beaucoup trop long, mais je vous en donne un bon aperçu, et vous aurez qu'à aller la télécharger vous-même si jamais vous... Oh, l'horloge, comme la pendule ding-dong de ta grand-mère, là, tu sais, tu vois de quoi je parle, c'est l'espèce de balancier, là. Ça c'est pas mal ça, tu vois, il a utilisé de la terre cuite retexturée pour pouvoir faire juste l'arrière de l'horloge. Ça c'est pas mal du coup, c'est pas mal du tout parce que ça permet, c'est permis grâce au double mur, tu vois, les doubles épaisseurs au niveau du mur. Comme tu utilises de la vitre, tu vois le bloc qu'il y a derrière, et le fait d'utiliser le double mur pour pouvoir mettre un bloc ici qui ne se voit pas de l'autre côté, pour faire un meuble du coup, qui a de la profondeur, ça marche super bien. Ça, c'est vraiment une bonne idée, qui est toute bête, hein, encore une fois, qui est utilisée depuis les tout débuts de Minecraft, mais qui marche encore très très bien encore aujourd'hui. Oh putain, faut pas que je dise ce gros mot, sinon je vais me faire censurer, mais... Waouh. T'as vu la taille du lustre? Le truc, ça fait aucun sens. Oh, va des dieux, comme disent les Québécois. Pas du tout, mais enfin, si c'est les Québécois qui disent. Non, c'est les ch'tis. Ah oui, c'est les ch'tis. J'ai confondu les Québécois avec les ch'tis. Enfin bref. Remarque-moi ce lustre. Il est ouf. T'as vu cette hauteur sous plafond? Attends, ça fait combien de hauteur sous plafond? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28... 31, 32, 33. Attends. Avec des balcons qui donnent sur le... Attends. 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 T'as un mec à 33 mètres de hauteur sous plafond dans une seule pièce.
Attends, si ça c'est pas mais démesuré, sans déconner, 33 mètres. Mais même dans des cathédrales, ils ont pas ça des fois. Évidemment, du coup, on pourrait même ajouter ces 33 mètres-là à 1, 2, 3, 4 blocs, 37 du coup mètres si on se met à ce niveau-là. Et encore un étage en dessous, parce que pff, après tout, allez, hein, on se fait plaisir. Dans la salle de sport, allez bien, qu'est-ce qu'il y a dans la salle de sport? Il y a une espèce de machine de torture, visiblement, qu'on ne sait pas de quoi ça ressemble. On dirait un espèce de vélo, tu vois. Bon. Miaou, il y a un chat qui dit miaou. Hop, un sauna, très bien. Comme ça, tu peux enlever ta deuxième peau. Je sais pas si t'es déjà allé dans un sauna, mais après, tu te liquéfies tout ça, sur place, tout simplement. You boing boing, ça c'est bien ça aussi, tu vois, toutes les entrées de pièces comme ça qui sont juste des espèces de grandes baies vitrées qui donnent sur un couloir super large. C'est vrai que quand t'as la place de faire des choses sur Minecraft et que tu sais utiliser cette place là, franchement ça le fait. Parce que regarde, là au niveau de ce mur là, tu vois, t'as deux blocs de blanc, de bois blanc sur les deux premiers blocs du mur et du gris au-dessus, sur toute la longueur de l'escalier, tu vois, c'est autant pareil. Bon. À l'intérieur de cette pièce-là, t'as aussi des blocs noirs sur les deux premiers blocs et d'autres blocs au-dessus. Donc ça reprend un peu la même structure en fait que le couloir finalement. Mais sauf que c'est différent au niveau des couleurs. La structure est pareille, mais les couleurs sont différentes et c'est les couleurs qui donnent la personnalisation de la pièce. Tu vois, c'est pareil au niveau de la piscine ici, tu vois, t'as du carrelage sur les deux premiers blocs et du quartz au-dessus. C'est toujours pareil. Et ça qui est vraiment bien aussi, quand il y a quelqu'un qui maîtrise vraiment bien la décoration, c'est de mettre une structure globale au niveau d'une maison tout entière, tout en donnant des personnalités à chaque pièce, tout en gardant cette structure-là. Ça, c'est vraiment sympa. C'est pas dur hein, dans l'idée à faire, mais voilà, si vous êtes débutant en construction, n'hésitez pas à reprendre ce genre d'astuces, parce que c'est vraiment quelque chose qui donne... Qui donne le ton quoi, ça donne vraiment l'idée que quand tu rentres dans une pièce comme ça, tu dis ah ouais, le mec qui a fait ça, il maîtrise le sujet. Voilà, un garage que je ne regarderai pas parce que voilà, il y a un couloir de 550 milliards de kilomètres de long. Moi je marche sur tes assiettes parce que j'ai aucun respect. Très bien. Oh pouille! Ah oui, d'accord, la salle de bal, poilo. Toute balle, bref, alors, le piano ici, et comme tu vois encore une fois, la grosse charpente en bois là, qui donne toute la magnificence, j'ai envie de dire, de la pièce, parce que ça donne vraiment de la prestance. Tu prends la même pièce, mais tu enlèves la charpente en bois comme ça, tu vois, t'imagines, ça donnerait juste une grande pièce, et puis c'est tout quoi, tu pourrais mettre une salle à manger dedans et tout. Alors que là, rien que le fait que ça a une grande charpente comme ça, d'un seul coup, plus les lustres évidemment, plus les lustres, ça joue beaucoup aussi, ça donne tout de suite l'idée, ah là t'es dans une salle de bal, une salle de fête en tout cas. Ah non, c'est vraiment stylé. Comme, enfin, il y a tellement de pièces ici. Toi t'as la cuisine avec directement le bar, mais tu... Je commence à désespérer de voir tout la maison, quoi, parce que... Il y a un escalier ici, tu sais pourquoi, parce que... Et voilà, 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 voilà. Je vais même plus essayer de chercher de pourquoi du caisse, mais... D'accord, on est sur le balcon du dessus. Donc là, encore un salon, parce que pourquoi pas. Après tout, au bout d'un moment... Et là, ça donne sur le dessous... Voilà, le nombre de salons qu'il y a ici dans cette maison, c'est assez hallucinant. Oh, il y a un chat! Oh, le chat! On peut te faire te déplacer? On peut pas te cliquer dessus? Ah. Bon, moi je veux un pouce, mettez un pouce vert à la vidéo si vous l'aimez, si, surtout pour le chat. Sans déconner, mettez un pouce bleu pour le chat, parce qu'il est bloqué, on peut plus le faire sortir de sa position assise, donc rien que pour ça... Pouce bleu,
à la vidéo, parce que ça n'a pas de sens, hein, mais on s'en fout, pouce bleu quand même. Ici du coup une cheminée, parce qu'après tout on n'est plus à ça près. Hop, you, paf, ici on est où? Alors, je sais même pas. Il y a des bateaux, il y a des trucs. Peut-être de zombies qui ressemblent à rien. Il y a un bloc avec des... un bloc d'os. Ah très bien, il a retexturé le bloc d'os pour donner un placard. Après tout. Voilà. Voilà. Bon. Sur ce, il a changé la Joy-Con avec un creeper. Je pense qu'on devrait faire ça sur la vraie Joy-Con d'ailleurs, hein, parce que ça lui donnerait un maximum de prestance supplémentaire. Bref, voilà, moi je vais m'arrêter ici. Parce que voilà, on pourra clairement pas visiter toute la map, ça prendrait beaucoup trop de temps, déjà que ça a pris bien du temps là pour le coup. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un très bon jeu, bon matelot et à la prochaine.